grand-mère était trop occupée au restaurant et n'a pas préparé le repas du réveillon. quel père indigne! Allez, par ici! Flip va vous arranger vite fait votre histoire de réveillon. Vite, Lisa! Il faut que je m'y mette, sinon on sera encore à table quand le Père Noël tombera de la cheminée. Allez, hop, 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 voilà. Ces provisions ont l'air quelque peu douteuses. Lisa, ce que tu dis là, ça me fend le cœur. Moi qui mets un point d'honneur à vendre de la qualité. Des restes de traitement hautement répulsifs. J'en ai assez de vos livraisons à la noix. Je peux retirer ça, les poches m'irritent. Non, tu dois encore me rembourser les dégâts que tu as causés. Je vous l'ai déjà dit, je tenais plus et j'avais fait tomber la clé dans le bac de fromage chaud. Tes problèmes de vessie, je m'en moque. Il y a tout ça à livrer. Tu travailleras ce soir et aussi demain. Quoi? Le jour de Noël? Travailler un jour férié, c'est pas du jeu. Vous appelez ça un sapin, vous? Vous n'avez pas honte? J'espère que cet acte vous hantera toute votre vie comme un jambon à l'os coincé dans le gosier. Joyeux Noël, Flipperoni. Nom d'une chips, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Clyde et moi, on est les fantômes du Noël du présent. Oui, et on va vous emmener faire ce que le docteur Lopez appelle un parcours de développement personnel. Observez bien le réveillon. Vous voyez, Flip, à cause de vos arnaques? Oh, désolé, on vous a réveillé? Le repas du réveillon est servi. Arrière, arrière! Pas question de manger ma famille le soir de Noël! Saleté de livraison pour Flip! D'abord, j'apprends que je dois travailler le jour de Noël. Et puis après, Scoot me demande de retirer les rayures des sucres d'orge parce que ça la perturbe. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Si tu savais, ce Noël est une catastrophe. Non, mais là, moi, j'y suis pour rien. C'est pas ma faute s'il ne sait pas cuisiner, c'est vrai. Bon, je suis pas fier de moi. Le docteur Lopez dirait que c'est de la culpabilité toxique. Et croyez-moi, tant que vous ne changerez pas, ce sentiment va vous miner. Je suis toujours vivant. La fille glauque est partie, c'est fini. Mon petit Flip, il n'est pas trop tard pour bien faire. Tu as une nouvelle chance de changer et de réparer toutes tes bêtises. C'est bon, Flip, du calme, j'allais justement partir travailler. Non, 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 c'est Noël. La boutique est fermée aujourd'hui. Tu as ta journée, cocotte. Quant à ta dette, elle est effacée. Boum! Et Flip, qu'est-ce qui se passe? Approchez, je suis le père Flipel et dans ce sac, j'ai des cadeaux pour tout le monde. Hop, tenez le cuistot, mettez-moi tout de suite au four cette grosse bébête. Merci pour la dinde. Vous n'avez pas parlé de plusieurs cadeaux? Oh là là, oui, super. Tu as été au poil, mon petit Flip. Ça fait du bien de se racheter de temps en temps. Oh, la machine à Flippy! C'est le plus beau de tous les cadeaux. On dirait bien que le père Flippel s'est un petit peu trop laissé prendre au jeu. J'avais pas prévu de... Joyeux Noël, tout le monde! Oh, et puis zut! Joyeux Noël à nous tous!